Restez avec nous, Nathalie Arthaud. Yaël le rappelait, vous êtes professeure d'économie et l'une de vos élèves nous a rejoint en studio. Oui, je viens témoigner parce qu'au niveau des cours d'économie, bon, bah, Madame Arthaud oriente les cours. L'autre jour, elle a dit que Karl Marx était marxiste. Qu'est-ce qu'elle en sait ? Jean-Yves Le Drian dit qu'il est socialiste. Qui en a la preuve ? Qui ? Et puis, on a quand même passé 6 mois sur un cours intitulé « Le partage des richesses dans un système contrôlé par le prolétariat ». Pardon, mais c'est suspect. Après, ça aurait pu être pire, j'aurais pu avoir comme prof Philippe Poutou. Heureusement, je fais vérifier tous mes cours, tous les cours de Madame Arthaud, par mon oncle. Vous connaissez mon tonton ? Non. C'est Dominique Seux ! Je vous avais pas dit, oh là là, ce matin, de me retrouver entre ma prof d'éco. Entre ma prof d'éco et mon tonton Domi, j'ai l'impression d'être à une réunion parent-prof. En plus, je le trouve rire, c'est trop has-been. Hein. Maintenant, dans les usines, il n'y a plus que des robots. Il faut appeler ça lutte robotique pour être un peu moderne. Startup Nation, Nathalie ! Et puis, quand ta prof, elle parle lutte des classes, ça fout une sale ambiance au lycée. Hein. Du coup, il y a les premières S qui partent casser la gueule au terminal L. Et en salle des profs, elle a fait grève parce qu'elle estime que le café n'a pas été servi de façon équitable et que le proviseur abuse de sa position dominante pour assoiffer les profs de PS. Et après, quand elle voit que la grève, elle prend pas, ben elle refait du café. Quant aux sorties scolaires, toutes les classes partent à Londres ou à Barcelone. On part où ? À Valenciennes. En revanche, Madame Arthaud, elle a tout de suite reçu ses 500 signatures et là, respect. Même si bon, avec son boulot de prof, on sait qu'elle a eu pas mal de temps libre pour faire le tour des mairies. Hein. Allez, on sait que les profs sont pas débordés, même le président l'a dit. Si Macron repasse, c'est plus de la guinguette là, Nathalie. Hein. Fini les semaines de 12 heures, à sa géate, hein. Un tonton demi, on a hâte. Hein. Non mais quelle idée d'être prof d'économie quand on est anticapitaliste. Hein. Si ça tenait qu'à moi, j'interdirais à tous les gens de gauche d'enseigner l'économie. Vous n'êtes pas fait pour ça, c'est pas grave, vous pouvez faire prof de musique ou de dessin. Hein, tonton Domi ? Malgré tout, c'est une bonne prof. Avec elle, on n'apprend pas seulement l'économie, elle nous apprend aussi la ténacité quand on regarde son parcours politique et l'humilité quand on regarde son score dans les sondages. Seulement pour l'élection des délégués de classe, elle a accusé Benjamin d'être le candidat du grand capital. Tout ça parce que sa mère est agent d'accueil au Crédit Agricole. Ça se fait pas, Madame Arthaud, hein. Vous voulez que je vous dise ? Elle est comme tous les gens de gauche dans ce pays. Elle a un problème avec ceux qui réussissent. Merci, Charline Vanhoenacker.